Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous présente 8 choses que vous ignorez sur le personnage Ortavie Pondo, encore appelé Alice dans la série Madame Monsieur du producteur camerounais Ebenezer Kopombia. Ortavie Pondo est une adulte qui incarne à la perfection le rôle d'une jeune fille dans la série Madame Monsieur. Donc voici alors pour vous les choses que vous ignorez sur ce personnage. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, on peut maintenant commencer. Ses origines. Ortavie Pondo, de son vrai nom Ortavie Lidisenge Pondo, est née le 27 juin 1992 dans la ville camerounaise de Limbé. Elle est une actrice, mannequin et graphiste qui a de la ressource et du potentiel à revendre. Son niveau scolaire. Elle est diplômée du collège de Sonara dans la ville de Limbé et elle a également étudié la biochimie à l'université de Douala au Cameroun. Elle est encore célibataire. Ortavie Pondo est encore célibataire car lors de plusieurs interviews, elle a répondu à des questions dont l'une était de savoir si elle était déjà mariée, mais elle a répondu non, mais qu'il y avait quelqu'un qui partage sa vie. Elle est mannequin. En dehors du rôle d'actrice, Ortavie Pondo est une femme talentueuse dans l'univers du mannequinat, car c'est grâce à cela qu'elle se fait connaître au Cameroun. En effet, elle est égérie de plusieurs marques. À l'exemple de la marque Bold Makeup, elle est donc visible en Europe occidentale et elle a aussi posé pour la banque gabonaise BGF iBank au Cameroun. Amoureuse du cinéma. Le cinéma est sa passion. Elle se rend compte qu'en dehors du mannequinat, elle peut aussi faire autre chose comme le cinéma. C'est une professionnelle de la communication qui conçoit des solutions de communication visuelle. Elle se tourne vers le cinéma et la télévision en 2017 à l'occasion du tournage du Cœur d'Azaï de Sergio Marcello et de Stéphane. Entre 2018 et 2019, elle tourne Croix Film, d'où elle joue actuellement le rôle dans la série Madame Monsieur, diffusée sur A+ Ivoire. Nous tenons à rappeler que, depuis sa tendre enfance, elle a toujours rêvé d'être chirurgienne. C'est-à-dire qu'elle a choisi la médecine comme métier, mais le cinéma à son tour l'a choisi. Elle n'est pas encore maman. Elle se montre toujours comme une femme indépendante qui prend plus sa vie d'actrice en tête que tout autre chose. Quand on regarde depuis le début de sa carrière jusqu'à présent, elle n'a jamais fait de poste. Elle a enchaîné tournage après tournage et le constat de sa vie de jeune maman n'a été fait nulle part. Femme très réservée. Elle fait partie des actrices camerounaises les plus réservées sur les réseaux sociaux. Le constat a été fait parmi les plaintes de ses fans qui la traitent de beaucoup trop discrète par rapport au métier qu'elle fait. Car elle répond très rarement aux commentaires de ses fans, on ne sait vraiment pas grand chose de sa vie, sauf ceux déjà inscrits sur les réseaux sociaux. Sa fortune. Elle a certainement amassé une immense fortune au cours de ces dernières années. Sa fortune est donc estimée à 60 millions de francs CFA. Coucou les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos.